Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir comme nouvelle matière, c'est le LDD ou en français le DML, le DDL, en anglais le DDL, oh my God, je recommence ça lentement. Le langage de définition de données en français, LDD, en anglais DDL, Data Definition Language. Oh my God! Il n'y avait pas juste une erreur ici. Ce qu'on va voir ici, c'est en fait du DML. Donc, langage de manipulation aujourd'hui. Bon. Et dans le langage de manipulation de données, vous avez appris le SELECT que vous connaissez et on va apprendre aujourd'hui le INSERT, UPDATE, DELETE. Et on va aussi apprendre le contrôle de transaction pour au moins sauvegarder nos changements. Donc, l'énoncé INSERT, ben, entre autres, l'énoncé et le langage de manipulation de données va nous permettre de faire le bleu, le vert, le rouge. Vous me dites, ah, monsieur, qu'est-ce que vous venez de dire là? Mais oui, en fait, le langage de manipulation de données me permet d'ajouter des nouveaux employés, le bleu, modifier des employés existants, le rouge, et le vert, pardon, et les effacer, le rouge. Donc, on va changer le titre ici, il n'est pas bon. Donc, ça, c'est le langage de manipulation de données nous permet de... Et là... C'est comme ça que notre gestionnaire Alice va parler. Je veux que tu modifies des employés, je veux que tu en ajoutes et je veux que tu en effaces. Première chose, l'énoncé insert. Alors, l'énoncé insert, lui, sert à insérer des rangées dans une table. Et c'est insert into, le nom de la table. On peut nommer les colonnes, c'est pour ça qu'ils sont entrecrochés là, dans la syntaxe que j'utilise, c'est pour dire que c'est optionnel, mais values, c'est obligatoire, et c'est là où on met les valeurs, après values. L'ordre des colonnes après le values doit être respecté si on nomme pas les colonnes. Si tu omets une colonne, parce que tu en mets, mettons, juste deux, les autres vont être annulés. On va la faire ici. Donc, pour ceux qui ont déjà parti, ben c'est le fun. Et on va aller moi, je sais que ce qu'on a besoin absolument, c'est deux colonnes. Donc, insert into emp et on va nommer nos colonnes. Donc, empno, virgule, name, values, ouvre la parenthèse, on va mettre 1, 2, 3, 4 fois 9, virgule, n'oubliez pas que les chaînes de caractères, ce sont des guillemets simples en SQL. Et vous allez mettre votre nom. Moi, je vais mettre le mien ici. One row inserted. Et ici, on refait notre select. Et nous avait dit que toutes les autres seraient mis à nul. Allez-y. Ajoutez votre nom et numéro d'employés dans la table des employés et refaites un select. Donc, insert into, c'est le mot-clé, le nom de la table. On peut nommer les colonnes, values, et tu mets les deux valeurs que tu as nommées comme colonnes. Donc, c'est une correspondance des paramètres. Et si on veut sauvegarder nos changements,
commit avec un point virgule, feu, commit complete. C'est tout? Fini? Il y en a un autre dans un? Insert. Et là, ben, insérez votre nom et la clé primaire. Bon, j'ai mis 9999, si c'est 119, pas d'importance. Est-ce qu'il y en a qui ont une question sur l'énoncé insert? Ah, voyez-vous, c'est pas compliqué. On arrive ici. On peut aussi se servir d'un insert pour faire plusieurs insertions dans une table. Hein? C'est un insert select. Là, pour le moment, je vais vous demander d'exécuter cette commande-là. Ça va nous créer une structure vide pour aller insérer. Alors, je la mets pour ceux d'entre vous qui n'ont pas les slides. Oups, excuse-moi, je l'ai envoyé à Beau Séjour directement. Tu n'es pas tout seul. Voilà. Alors, on commence en se créant une table de vendeur. Et, bon, c'est pas tellement beau comme formatage. Alors, je vais... Alors, moi, j'en ai déjà une, donc je vais faire un drop table vendeur cascade. Vous n'aurez pas ce problème-là, vous. C'est including content. Ah non, table vendeur drop. Alors là, on va être prêt à la recréer. Table vendeur created, elle devrait être vide. Faites une vérification. Et là, on va aller la remplir. Et le département des ventes, c'était quoi? Vente, c'était le département 30. Donc, on va aller remplir la table vendeur avec les employés du département 30. Donc, ça va être insert into vendeur select étoile from MP where dep no égale 30. Donc, ça, c'est une sous-requête. Elle va s'effectuer en premier. On va aller chercher tous les employés du département 30 et on va aller les mettre dans vendeur. Je vais le formater. Et feu. Six rows inserted. On va aller voir si c'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables? Levez la main, s'il vous plaît. Et là, il est quand même 43. On n'a pas pris de pause, on avait une grosse revision. On va terminer la matière ici. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant que je termine la session d'aujourd'hui? Donc, ici, on revise l'insertion, soit le insert, et on l'écrit insert into nom de table, entre parenthèses, les colonnes de la table. Values et on met les valeurs entre parenthèses qu'on veut insérer, ils doivent être dans le même ordre que les colonnes. Donc, on a fait par la suite
le insert à l'aide d'un select, d'une sous-requête select. Et je vous demande d'insérer le département 70 qui va s'appeler ressources humaines et la colonne LOC sera Montréal. Donc, quand vous avez inséré sur une table que vous n'êtes pas certain, la chose la plus sécuritaire à faire dans un premier temps, c'est un select sur cette table-là. Donc, select étoile from DEPT. Donc, ça nous permet de voir le nom de nos colonnes. Et là, on peut rédiger notre énoncé insert. Et si vous ne nommez pas les colonnes, vous devez toutes les mettre dans l'ordre. Dans le cas d'ici, c'est assez facile. 70. Oups, c'est moi qui n'ai pas dans l'ordre. Et vous exécutez. Et là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire ce qui se passe avec mon énoncé? Pourquoi il ne fonctionne pas? L'erreur, là, est ici. La valeur est trop grosse pour Colin Scott Deputy Name. Et voilà. Il y a un maximum de 14 caractères. Donc, on va abréger ressources humaines à res humaine et on va réessayer. Eh bien, bravo, Olivier, tu as été capable de lire le message d'erreur et de l'interpréter. Kudos! Donc, vous devriez tous être capables de faire un insert et j'aurais pu aussi, de façon optionnelle, mettre les colonnes. Nom, virgule, name, virgule, lock. Ça aurait été aussi bon. Et quand il y a seulement trois colonnes, on n'est pas obligé de les nommer. Est-ce que ça va pour l'énoncé insert? On ne verra pas les variables de substitution. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc, on arrive avec l'énoncé update. Catherine, je t'écoute. Moi, j'ai manqué le coup. Est-ce que vous avez créé la table? Est-ce que c'est bien l'énoncé qui est dans le PDF? Parce qu'il y a un truc bizarre, genre 1 égale 2, qui me confond un petit peu. Parce que le 1 égale 2? Ça me semble impossible. Exactement, donc ça va retourner faux. Ça va remplacer le 1 ou... Non, ça va simplement retourner faux. Il va créer la structure de la table. Okay. Donc, ça va retourner aucune rangée, mais ça, c'est assez pour créer la structure de table. Puis après ça, tu peux faire les inserts. OK, c'est beau. Là, je vais me rattraper à partir de là. Il n'y a pas de problème. L'énoncé update lui permet de mettre à jour une rangée d'une table. La syntaxe, update le nom de la table, set colonne égale ce que tu veux que ce soit égal, puis tu peux en nommer plusieurs, puis where,
pour y dire quelle rangée tu veux mettre à jour. Là, tu comprends pourquoi est-ce que je vous ai dit qu'une table devrait toujours avoir une clé primaire. C'est principalement à cause du where. Comment dire quelle rangée on veut mettre à jour si elle n'a pas de rangée de clé unique? Et si vous ne mettez pas de where dans un update, c'est toute la table qui va être modifiée. Est-ce que c'est clair? On poursuit. Donc, un exemple ici, update, employee, set, département ID égale 80, where, département ID égale 60. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va changer le numéro de département de tout le monde qui a 60 pour les mettre à 80. Là, nous, on vient de créer un nouveau département dans la table des départements. On va aller associer notre employé. Ça, c'est un exemple avec une sous-requête. Et là, on va déplacer Clark dans le département 40. Donc, update la table des employés. Set depno égale 40, where iname égale Clark. Et là, j'ai fait deux commandes de DML, le insert et l'update. Si je fais commit, qu'est-ce qui va sauvegarder? Je vais répéter ma question. On a fait deux énoncés DML. Un insert puis un update. Si je fais commit maintenant, qu'est-ce qui va être sauvegardé dans les tables? Bartek? Oh, désolé. Les values et ce qui était set? En fait, tout. Un commit, ce n'est pas difficile. Ça sauvegarde tout ce qui a été fait jusqu'à soit le début de ta session, soit le dernier commit. Alors, il n'y a pas moyen de sauvegarder seulement la dernière chose qu'on a fait. C'est important de le comprendre. Commit, ça sauve tout. Ça va comme concept pour tout le monde parce qu'on va voir à la fin comment faire des commits, des rollbacks. Donc, là, si on fait boum, c'est fait. C'est permanent, c'est enregistré dans la base de données. Et on est rendu à l'énoncé delete. Et l'énoncé delete n'est pas particulièrement complexe. Delete from la table where condition. Hein? Delete from table where condition. Je vais vous donner un exemple. Delete. Où je peux mettre delete from MP. 15 rows deleted.
Oh my God, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout délité la table des employés? Oui, oh, c'est vrai. Eh bien, oui, mais nous avons notre ami Rollback. Tandis que je n'ai pas fait de commit après mon délit, je peux faire Rollback. Il me dit Rollback complete. Select. Oui, j'ai rien perdu. Alors, Rollback, c'est comme commit. Ça défait tout jusqu'au commit précédent. Et là, vous comprenez comment c'est dangereux, ça, s'il n'y a pas de closeware. Oups. Je pense que je vais créer. Bon, là, il n'y en a pas. Si j'en avais eu un, je l'aurais eu directement. Donc, est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas l'énoncé d'élite? Et le danger qu'il y a à faire un énoncé d'élite sans where, ça va vider toute la table. Tu peux aussi faire un delete avec un where puis un sous-select. On a fait l'update. On a appris à deleter. Et là, on va apprendre la notion de transaction. Imaginez-vous que vous faites un transfert interact. Combien de... Puis là, on le voit très bien. Ou un transfert dans un de vos comptes. On voit qu'il va y avoir au moins deux énoncés SQL sur la base de données de la banque. Un premier pour enlever l'argent de votre compte. Et un second pour aller mettre l'argent dans le compte de la personne à qui vous le transférez. Supposez qu'il y a de quoi qui brise entre les deux. L'argent est enlevé de votre compte. Mais malheureusement, le réseau tombe puis le dépôt ne peut pas être fait dans le compte de la personne à qui vous transférez de l'argent. Bien là, vous comprenez que vous espérez très fort que tout va se faire ou rien va se faire. Mais vous ne voudriez pas perdre votre argent et que la personne à qui vous transférez ne l'aide pas. Et on a ici justement cette notion-là de transaction. Et c'est pour ça qu'un commit, ça ne peut pas être fait à moitié. Si je fais deux insert commit, les deux vont être faits ou aucun va être fait. C'est ce qu'on appelle une transaction. Tu as un énoncé qui, lui, fait quelque chose. Tu as un deuxième énoncé qui peut faire quelque chose. Les deux ensemble, on appelle ça une transaction. Fait que si tu as seulement une des deux énoncés qui ne passe pas, tu veux que la transaction au complet ne soit pas faite. Une transaction, ça débute à ton premier énoncé DML. À part select, là, si tu fais un insert, un update, un delete, tu ne le sais pas, mais automatiquement, ta transaction débute. Puis tant que tu vas en faire, tu vas être dans la même transaction. Jusqu'à temps que tu fasses commit. Est-ce que ça va comme concept? Donc, une transaction débute de façon implicite sans que tu aies rien à dire dès que tu fais ton premier insert, update, delete. On n'ira pas en détail sur les save points. Un save point, je veux que vous compreniez conceptuellement, mais on ne pratiquera pas les save points. Un save point, c'est comme un endroit nommé dans ta transaction où tu peux reculer. Fait qu'au lieu de faire un rollback de tout, tu vas être capable de faire un rollback juste du dernier. Mais comme je vous dis, j'ai juste besoin que vous compreniez conceptuellement ce que ça fait. Hein?
Save point numéro 1, save point numéro 2, tu continues ta transaction. Si tu veux juste enlever le dernier insert et que tu as fait un save point, tu vas être capable de faire roll back to le save point. Donc ça, ça te permet de faire un rollback qui ne défera pas tout. Mais pour les besoins du go, une transaction débute quand je fais un énoncé DML, elle se termine quand je fais un commit. Si je fais un rollback, je défais tout. Si je fais un commit, je commit tout ce qui a été fait. Et si mon commit, si mon énoncé ne passe pas, automatiquement, il va être défait par la base de données. Hein? Un énoncé qui donne un message d'erreur est défait. Par contre, les trois premiers d'avant ne sont pas défaits, eux. Ça va être mon travail de faire un rollback en tant que programmeur quand j'ai une erreur. Ça, c'est un exemple. Alors là, j'ai fait un update, j'ai fait un save point, j'ai fait un delete, roll back to le save point que j'ai fait. L'update va rester, mais le delete ne sera pas là. Alors, en résumé, un commit s'enregistre de façon permanente toutes les modifications de DML que tu as faites dans ta session. Un rollback renverse toutes les modifications jusqu'au dernier commit. Un save point, ce n'est pas sauvegardé dans la base de données. Fait que c'est pour ça que je dis, je ne veux pas travailler fort là-dessus. C'est vraiment une notion qui est là pour si tu fais des trucs puis tu veux les reculer dans ton SQL développeur, mais pour une BD, rollback, ça rollback, tout ce qu'il y a à faire, puis commit, ça sauvegarde tout. D'ailleurs, vous avez remarqué que si tu fais des insert, update, delete, même si tu ne fais pas de commit, si tu refais des selects sur ta session, tu vas voir ce que tu as fait, même si ce n'est pas sauvegardé. C'est ce qu'on appelle la consistance de lecture. Tu as comme une petite BD privée temporaire le temps que tu décides si tu veux commit ou rollback. Donc, une transaction, c'est un ensemble d'instructions SQL de type DML qui font passer la base de données d'un état A à un état B. Ça débute implicitement, ça n'a rien à faire avec ton premier énoncé BDD, ton premier énoncé DML, soit insert, update, delete. Et si ça ne fonctionne pas, il va y avoir un rollback. La base de données ne peut pas être à moitié faite puis pas faite. Et c'est Oracle qui le gère tout seul. Toi, tu dois juste le comprendre. Donc, une série d'instructions doivent respecter le principe acide. Je l'explique. Le principe acide dit, premièrement, toutes les opérations doivent réussir pour qu'elles marchent. Si tu fais un insert avec un select, puis il marche tout sauf le dernier insert, il faut que ce soit tout défait. Parce qu'une transaction, c'est une opération atomique. Elle ne peut pas réussir aux trois quarts ou à 99 %. Ensuite, elle doit être cohérente. La BD, après ta transaction, ne doit pas être à moitié faite ou de l'autre côté, elle doit être faite au complet. Ensuite, tu es isolé. Quand tu travailles dans une BD, ce que tu fais, le temps que tu le fais, c'est isolé des autres et le D, durable. Un coup que tu as fait un commit, puis que le système te dit « commit complete », tu ne dois pas t'inquiéter, ça doit être durable dans la base de données. C'est ça, acide. Atomique, cohérent, isolé des autres, durable dans le temps. Les types de transactions, Oracle, DML que vous avez appris, c'est ce qu'on fait.
Donc, insert, update, delete. DDL, create table, alter table, on va apprendre un enfer. Ça, là, une transaction, c'est une instruction. Et ça va faire un commit implicite. Alors, si tu as fait plein d'insert, update, delete, et que tu fais un create table, tu viens de faire le commit de tout ce que tu as fait avant. Donc, un énoncé DDL, Data Definition Language, en français LDD, langage de définition de données, fait un commit implicite. Donc, l'instruction commit valide les modifications et les rend permanents. Rollback recule les transactions. Save point, comme je vous dis, je ne ferai pas de test là-dessus. Ça me permet de marquer un endroit entre toutes mes énoncés pour reculer jusque-là sans tout défaire jusqu'en haut. Je veux juste comprendre le principe. Et là, j'ai l'impression que je me répète. Une transaction, ça débute. Pardon. Ça débute. Automatiquement. Est-ce que quelqu'un vient d'un compte? Non. Débute automatiquement. De façon implicite, tu n'as rien à faire par la première instruction SQL exécutable. Se termine par un commit ou un rollback ou, attention, implicitement, ça veut dire qu'il ne te le dira pas si tu fais une instruction DDL. Donc, avec commit rollback, le programmeur s'assure de garder la cohérence des données et de rendre permanent ou de reculer les changements. Pour le reste, donc vous devez comprendre qu'avant le commit, c'est pour ça que je dis que vous avez comme une petite BD privée, les changements sont apportés dans la zone mémoire, ils ne sont pas écrits sur le disque et les enregistrements sont verrouillés de façon automatique. Après le commit, plus de verrou et c'est écrit physiquement sur disque. Pour le reste, les diapos 35, 36, 37, 38, 39, 40, reprennent ça. Si vous voulez les lire, vous pouvez. Mais ce que vous aviez à retenir pour ça, je vous ai passé la matière. Maintenant, ce que je voulais, c'est qu'étant donné que dans le TP, il y avait des insert, update, delete, les trois ou quatre dernières questions, je veux vous donner le temps pour commencer à regarder si vous êtes capable de les faire et de répondre à vos questions. Est-ce que ça va? Donc, je vais arrêter l'enregistrement.